Bonjour et bienvenue dans Buffy Slays 20. Une question, une réponse, deux minutes. Bonjour à tous, et écoutez, je suis ravi de vous retrouver. En plus, je suis en direct avec Yael, en chair et en os. Mais oui, comme on dit, le mot à la mode en présentiel après être resté séparé pendant aussi longtemps en distanciation sociale, bien comme il faut. À 1200 km, ouais. Et voilà, Berlin-Paris. C'est vraiment un plaisir d'être là en ce moment, aujourd'hui en chair et en os. Surtout que bon, on pourrait être très festif aujourd'hui en disant « Ah, on va célébrer Buffy comme on le fait », mais on va le faire finalement d'une certaine façon. Absolument. Parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des messages ces dernières semaines, ces derniers mois, pour nous parler de tout ce qui s'est passé autour de Joss Whedon et Charisma Carpenter, les différentes déclarations. Et je pense qu'en fait, c'est une très bonne chose qu'on soit en fait en direct pour en parler, parce que c'est pas un petit sujet et que ça méritait une émission de Buffy Slays 20. Exceptionnellement, contrairement à ce qu'on a dit en intro, vous savez qu'en général, on parle chacun deux minutes et deux minutes seulement, mais aujourd'hui on a décidé un petit peu voilà, de détendre un peu le temps parce que ce sujet-là le mérite, c'est un sujet quand même important, donc on va pas faire 2 minutes, mais 5 minutes, 5 minutes chacun sur le sujet. On va d'abord énumérer les faits, enfin Yael va le faire, elle le fera mieux que moi, pour voilà, pour pas que ça rentre dans notre temps imparti de ce qu'on veut exprimer, et pour vous, vous puissiez faire un point, qu'on fasse un point tous ensemble sur ce qu'on sait, sur les différents événements chronologiques. De la conversation autour de Whedon en 2021. Exactement, donc on reprend avec une émission quand même assez costaud. Assez costaud, mais je pense nécessaire pour tout le monde, parce que c'est... En fait, c'est des questions importantes en général, au-delà de Buffy, comme on sait, Buffy c'est la vie, ça nous aide à penser au reste du monde, profitons-en, et puis ça demande beaucoup de nuances, et donc ça demande voilà, du temps. Et donc on le prend, ce temps, pour en parler techniquement tous ensemble. Exactement. Donc elle, bah écoute... Alors, donc la chronologie des événements, il y a un milliard de petits détails que je pourrais rajouter dans ce contexte-là, et on va en mentionner quelques-uns, mais je vais vous donner une idée de la conversation autour de Whedon telle qu'elle s'est déroulée dans l'espace public large. C'est-à-dire au-delà juste des fans et de ce qu'on se dit entre fans. En gros, à l'été 2020, Ray Fisher, un des acteurs de Justice League, a écrit sur Twitter que Joss Whedon avait eu un comportement inacceptable, abusif, raciste et infect, et qu'il fallait que les gens le sachent. Alors ça a provoqué tout un tas de réactions, mais en fait on avait très peu d'informations. En plus, il s'avérait qu'il y avait un truc par rapport à la Warner, que du coup il y avait une confusion des choses. C'était pas très clair en fait ce qui s'était passé, et même ce type d'accusations sont hyper sérieuses. C'est toujours compliqué sur un tweet de comprendre le contexte, surtout qu'il refusait de donner plus de détails parce qu'il voulait que ça se passe dans une investigation, même si les membres de l'investigation disaient eux-mêmes qu'ils avaient passé dans une enquête officielle, indépendante mais officielle, à la Warner, sauf qu'en fait même les gens de l'enquête disaient qu'ils refusaient d'expliciter. Donc enfin bon, c'était surtout une espèce de déclaration que tu fais « Ah bon ?» Alors du coup, ça a un peu ravivé un mouvement qui avait commencé en 2017 quand l'ex-femme de Joss Whedon a écrit une lettre ouverte en disant « Arrêtez de dire qu'il est féministe parce qu'il était un mari adultère ». Ce qui est aussi une opinion qui est la sienne, mais qui, enfin voilà, c'est quand même, c'est aussi un, on est aussi dans un jugement de valeur particulier qui est peut-être pas partagé par tout le monde. Et ensuite, en octobre-novembre, Joss Whedon a annoncé qu'il quittait la série The Nevers de HBO, dont il avait filmé la première partie, en disant qu'il était absolument épuisé et que tenir une série en s'occupant de sa famille dans une pandémie, c'était pas possible, même s'il adorait la série. Et donc, il a quitté. Bien sûr, Ray Fisher, à ce moment-là, est revenu à la charge en disant « Je suis sûre que c'est à cause de ce que moi j'ai dit. » Ce qui a ravivé le monde des rumeurs, parce qu'en fait, on n'avait toujours pas plus d'informations que ça. Il y a eu un petit commentaire, mais aussi de Gal Gadot, qui joue Wonder Woman, qui disait « Moi aussi, j'ai des problèmes avec Joss, mais je les ai réglés. » Et en fait, c'était pareil, on ne savait pas ce que ça voulait dire. On a appris plus tard qu'il s'agissait d'une scène qu'il voulait qu'elle joue et qu'elle, elle trouvait hors caractère, et que du coup, il a fait jouer une doublure. Ce qu'elle... apparemment en étant désagréable avec elle, mais ça aussi, enfin, c'est très... on n'est pas trop sûr de exactement, mais en tout cas, c'était le contexte. Et jusqu'en février, la conversation n'avait pas vraiment de nouvelles infos, mais en février, Charisma Carpenter, qui joue Cordelia dans Buffy et dans Angel, a posté quelque chose sur Instagram, deux pages d'écrit, où en gros, elle décrit « Je me suis tue jusqu'à présent, mais en fait... » Moi, quand ma dernière année sur Angel a été épouvantable, et puis un peu avant aussi, quand je suis tombée enceinte, Whedon s'est moqué de moi, j'ai essayé de lui annoncer la nouvelle, finalement quand je lui ai annoncé, il m'a demandé si j'allais le garder, enfin en gros, il m'a hyper mal traitée parce que j'étais enceinte, et c'est pour ça que je me suis retrouvée hors de la série. Et
Donc ça, c'est son expérience. Elle explique à quel point ça l'a traumatisée et qu'en fait, elle porte ça depuis des années. Et ensuite, elle a un peu insisté en disant « c'est mon abuseur, c'est mon monstre ». C'est important pour la suite. Suite à ça, une série de commentaires d'anciens acteurs de la série, plus multiples et variés, beaucoup de soutien. Du soutien parfois dans du langage un peu imprécis, on n'est pas vraiment sûr s'ils sont en train de soutenir l'expérience de Charisma ou en train d'essayer de dénoncer quelque chose d'autre. Sarah Michelle Gellar commence par dire « Je serai toujours fière d'être associée à Buffy, je n'ai pas à défendre Joss Whedon jusqu'à la fin de mes jours, je n'ai pas à être associée à sa personne jusqu'à la fin de mes jours, on est en pandémie, je m'occupe de ma vie et de mes enfants, laissez-moi sortir de ce débat. » Ce qui a été du coup interprété par beaucoup de gens comme « Ah en fait effectivement c'est horrible, alors en fait on compte toujours, on n'en sait rien. » Michel Trachtenberg, qui jouait Dawn, a posté ce commentaire de Sarah Michelle Gellar en disant « Tu es mon héroïne ». Puis dans les commentaires, a sous-entendu qu'effectivement... On a dit « On sait ce qui s'est passé ». Elle a juste mis « On sait, we know, on sait... » Oui, les, on non, sait ce qu'il a fait. Ceux qui savent, savent. Voilà, juste ceux qui ça, ont, mais en fait, ce qui ne veut pas dire « On sait ce qu'il a fait ». Ce qui est une expression qui est utilisée pour dire « Les gens qui ont souffert savent ce que c'est que de souffrir ». C'est ça que ça veut dire. Et du coup, c'est là aussi, sujet à interprétation. Puis dans un des commentaires tout de suite, où quelqu'un a demandé plus de détails, elle a dit « Je ne dirai rien d'autre que il n'avait pas le droit d'être dans la même pièce, qu'à partir d'un certain temps, il n'avait plus le droit d'être seul dans la même pièce, seul avec moi dans une pièce ». Ce qui du coup a été interprété par « Ce que je peux très bien comprendre, des choses à caractère sexuel, en toute honnêteté. » Et suite à ça, bon, il y a eu d'autres commentaires de gens qui ont soutenu tout en disant « en fait, moi, c'est pas mon expérience ». Ça a été Amy Acker, ça a été Anthony Stewart Head. Amber Benson a dit « Le plateau de Buffy est extrêmement dur et quand, effectivement, il y a des choses toxiques qui se passent, la responsabilité, c'est le patron ». Mais bon, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? On est quand même beaucoup sur beaucoup du flou, surtout qu'on est beaucoup sur pas beaucoup d'échanges parlés au départ, mais surtout des choses écrites sur les réseaux sociaux. Comme on sait, c'est très difficile de s'exprimer clairement sur les réseaux sociaux et ça porte à interprétation. Variety, le magazine qui est un magazine du business d'Hollywood, c'est un des deux grands, des grandes publications d'Hollywood avec Hollywood Reporter, a fait une enquête dans les jours qu'on suivit où ils ont interviewé une cinquantaine de personnes qui étaient à l'époque sur le plateau de Buffy, sauf qu'en fait, toute une série de gens, dont tous les gens qu'on vient de citer, ont refusé de participer, y compris Charisma Carpenter. Donc on n'avait pas leur version des faits, les autres sont restés anonymes. Enfin, ils ont précisé, on a plein de sources anonymes, mais voilà toutes les personnes qui n'ont pas voulu commenter. Et c'est un article qui a expliqué effectivement que le plateau était très difficile, dans le sens où énormément d'heures de tournage. Je vous le dis pour le contexte, parce qu'en tant qu'historienne de la série américaine, c'est important. Ce qu'il décrivait est la situation d'une grande partie des grandes séries. C'est pas le cas de toutes les séries. The West Wing, Friends, ce sont des séries qui demandaient 2-3 fois plus de temps à être tournées, et c'était extrêmement rude pour tout le monde. Et ça, on l'a toujours su en fait, on l'a su à l'époque, Sarah Michelle Gellar en parlait dans les interviews. Et dans l'article, ils sous-entendent que c'était tellement dur que les tournages du vendredi finissaient tellement tard qu'on les appelait les Frater Days, Friday, Saturday, vendredi, samedi. C'est une expression qui existe dans le monde d'Hollywood depuis les années 70. D'écrire ça dans Variety comme c'était la spécificité de Buffy est un peu problématique, mais le reste de l'article donne énormément d'informations et je vous invite d'ailleurs à lire toutes ces choses-là pour créer votre propre impression et votre contexte. Ce que dit Variety, c'est oui, plusieurs interactions donnent l'impression qu'il pouvait être caractériel et difficile avec certains des membres de son équipe, pas tout le monde, pas spécifiquement genré, pas juste les femmes. On imagine, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'il y a eu probablement une altercation verbale avec Michel Trachtenberg. Donc probablement, c'est pour ça qu'après, d'autres personnes n'ont pas voulu la laisser seule avec Joss pour pas qu'il lui gueule dessus, en gros. C'est ce qu'on croit comprendre de ça. Et il y a une autre histoire, c'est José Molina, un des auteurs de Firefly, qui a dit qu'une fois, Joss a fait pleurer une des scénaristes et ça l'a fait rire. Mais voilà, je pense que c'est l'étendue de ce qu'on sait. Ensuite, il y a eu d'autres choses qui ont été faites, notamment Charisma Carpenter a parlé longuement avec Michael Rosenberg dans son podcast de son expérience. Ex-Luthor dans Smallville. Voilà, je vous invite à écouter ça aussi. Et il y a d'autres choses qui ont été faites. Moi-même, mon opinion, j'en ai déjà parlé dans les pages de première sur un autre le podcast de Serial Causeur. Et je crois que c'est tout pour l'instant, mais c'est probablement pas la fin que j'en parle. Voilà. Donc, il y a plein d'informations. On vous a donné là le... Voilà, c'est long, mais on vous a donné l'essentiel. Il y a plein d'informations. Lisez, faites-vous votre opinion. Là, on va vous donner notre ressenti, notre opinion. Mais je vous invite à vous renseigner et aussi à nous parler après cette vidéo
et à voilà, s'il y a des choses. Là, j'ai pas pu mentionner tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai, parce que j'ai lu approximativement tout ce que j'ai pu, non, pas approximativement, tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet, je l'ai lu par acquis de conscience. Donc, je n'ai pas tout cité, mais n'hésitez pas à nous signaler quelque chose qu'on puisse vous dire, mais oui, ça on l'a pris en compte, voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'est le contexte. Alors on va commencer par David, notamment parce que je lui ai tellement parlé de ce que je pensais qu'il est au courant de tout et que il a, voilà, je suis très curieuse d'en savoir plus, j'en sais déjà beaucoup, mais d'en savoir plus sur son opinion. L'idée c'est de parler de nos ressentis d'abord, nos ressentis au moment, le développement de notre pensée et de notre ressenti, et là où on en est aujourd'hui à peu près vis-à-vis de cette thématique, vis-à-vis de Whedon, vis-à-vis de Buffy, vis-à-vis des fans, voilà, à peu près c'est ça l'idée. Et donc 5 minutes, donc je lance le timer, attention, top, c'est parti. Pour mettre du contexte, on est en plein Covid, février 2021, Buffy c'est évidemment ma vie, mon refuge, très important pour moi, surtout dans cette période comme ça. J'avais senti avec Ray Fisher les événements qui se passaient, j'avais accéléré mon intégrale que je me faisais de Buffy et Angel, j'étais à Buffy saison 7 au début et à Angel saison 4. Et j'ai vraiment accéléré, quitte même quand j'avais moins envie de regarder, aller jusqu'au bout, parce que je voulais me refaire un dernier visionnage sans avoir de parasites, sans avoir à penser, ah oui, peut-être que quand Whedon exprime ça, c'est parce qu'en fait, on sait maintenant qu'il y a en fait telle ou telle chose dans les coulisses, vu qu'on savait encore pas trop ce qui se passait dans les coulisses, qu'il y avait des rumeurs, mais qui était un peu abstraite, et puis arrive le message de Charisma Carpenter, ça a été un choc, en plus c'était en plein hiver, moi j'étais en chômage partiel, on a tous quand même assez mal vécu cette période-là, et donc moi ça m'a remis un coup, parce que Buffy c'était un peu ce qui me permettait de tenir à plein de niveaux, et donc je ne l'ai pas bien vécu, j'ai commencé évidemment, on s'était à tous à s'appeler, j'ai appelé ma meilleure amie Juliette, avec qui je suis, avec qui on est tous les deux très fans de Buffy, on s'est rencontrés en partie grâce à ça, il y a elle aussi, d'ailleurs Juliette et Yael avec qui on a fait notre première convention Buffy, où c'était la vraiment... La première convention tout court, qui tout était court, une convention Buffy. Exactement, qui nous a nous rencontrer, d'avoir le rapport qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas capable, donc j'aurai 10 secondes de plus, 20 secondes de plus. Et donc voilà, et ce qui s'est passé, c'est que, donc vraiment un choc en fait, et... pas trop savoir comment le prendre et en même temps dire bah en même temps on se m'y attendait, puis Charisma Carpenter a juste mis le nom de Whedon sur des histoires qu'elle racontait déjà en interview et en convention sur ce qui s'était passé dans les coulisses d'Angel. Moi j'ai jamais eu trop de doutes sur le fait que c'était Whedon qu'elle citait, mais c'est jamais agréable de voir quelqu'un que je voyais comme vraiment une idole, comme un dieu comme certains fans le disent, le voir comme ça attaqué de la sorte, et puis surtout m'imaginer qu'en fait il avait peut-être fait du mal à d'autres gens que j'appréciais. J'avais vu Charisma Carpenter un an avant en convention et c'est quelqu'un avec qui j'avais eu des échanges tout à fait agréables et sympathiques, et un personnage, une actrice que j'aime beaucoup, donc c'est pas agréable. Et puis bon, et puis derrière en plus ça a commencé à s'emballer, Sam Shagelar qui dit je ne retravaillerai jamais avec Whedon, je veux être associé à Buffy mais pas à Whedon, c'est très violent, l'héroïne, l'icône de la série qui dit ça. Derrière Michel Trachtenberg, donc il fait cette première insinuation juste de bah oui on sait. Mais après, ce sous-entendu sexuel, et là, c'était le plus dur. Là, c'était le plus dur, parce qu'on sort de Me Too, on sort d'Harvey Weinstein, donc tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, si Whedon a été là, Michel Trachtenberg était très jeune à l'époque, ça, pour moi, c'est très violent. Je pense qu'elle parle d'autre chose, je pense souvent qu'elle parle de quelqu'un de colérique, parce que c'est comme ça que je peux percevoir Whedon. Whedon, c'est quand même quelqu'un qui a écrit Angel. Angel, c'est un personnage qui, quand il est heureux, et qu'il est au maximum du bonheur, devient une ordure. Donc en termes de « j'ai le pouvoir, je me sens bien dans ma peau et tout ça, et je suis incontrôlable », bah c'est un peu ça. Ou Buffy saison 7, hein, ou encore, pareil, elle a le pouvoir, on lui donne un certain pouvoir, et pareil, elle se fait aller rejeter parce que, pareil, elle a une gestion qui n'est pas forcément la bonne. Donc finalement, pas étonnant. En plus, Buffy n'est pas une série hyper tendre. Donc à un moment donné, on ne se dit pas que la personne qui est derrière n'est pas torturée. Il y a d'autres séries où j'aurais été plus étonné. Justement, quand on entend les coulisses de Glee ou d'autres choses qui sont plus mignonnes, on est un peu plus « c'est à la maison, le prêtre qui s'avère pédophile », bon, c'est... c'est autre chose, mais je veux dire, voilà, là, je veux dire, la série est tellement torturée, Buffy saison 6, on se dit pas que c'est, on sait que c'est fait par des gens qui sont névrosés, qui sont complexes, et, mais malgré tout, ça fait du mal, et surtout, je me suis dit, j'ai plein de gens autour de moi qui, je sais, qu'ils aiment Buffy parce qu'ils ont eux-mêmes été victimes d'abus et de traumas, et que Buffy les a permis de sortir et de survivre à ces traumas, donc me dire que, et là, j'en ai voulu à Whedon, dans l'éventualité qu'il ait fait ça, mais aussi à Michel Trachtenberg, je me dis, à un moment donné, t'as une responsabilité vis-à-vis des fans, est-ce que tu penses aux fans quand tu dis ça? Tu n'explicites rien, est-ce que c'est un abus sexuel, un abus physique, il t'a hurlé dessus? De quoi tu parles? Parce qu'à ce moment-là, il y a une vraie problématique. Je me dis, t'as eu un cachet à l'époque qui te permet, qui correspond à ton succès de la série, qui correspond à ce que tu, dégages, qui correspond également au fait que tu peux pas voir sortir dans tous les restaurants comme tu veux parce qu'il y a des fans, donc tu peux avoir un certain niveau de vie, qui correspond aussi à la responsabilité que t'as d'avoir des fans. Et à quel moment tu as pensé aux fans? À quel moment je me suis dit, Charisma Carpenter a pensé aux fans en balançant comme ça? Surtout, Charisma Carpenter qui fait beaucoup de conscience, je me suis dit, ça doit pas être évident pour elle, mais est-ce qu'elle y a pensé? Parce que son rapport aux conventions, effectivement, dans l'interview de Michael Rosenbaum, elle a dit, j'y ai pensé, juste à la dernière convention que j'ai fait, quelqu'un avait un t-shirt, My God is Joss Whedon, mon Dieu est Joss Whedon, qui est même un concept que moi j'avais quand j'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Ben non, je suis agnostique, mais je crois en Joss Whedon.
Donc c'est pas évident du tout, il me reste plus beaucoup de temps, mais voilà, donc c'était un vrai choc. J'ai regardé autour de moi, je me suis dit, il y a du Buffy partout, sur les murs, dans ma sonnerie téléphone portable, mon fond d'écran téléphone portable, j'ai une des statuettes, je me suis dit à quel point Buffy était partout dans ma vie, et j'avais presque envie de tout retirer. J'ai eu vraiment un choc sur le moment, je me suis dit, j'ai envie de tout retirer, c'est hyper violent pour moi. Puis il y a eu l'article de Variety qui a quand même permis un petit peu de nuancer, de comprendre qu'il était en fait juste entre guillemets hystérique, ce qui n'excuse rien, c'est quand même très violent, mais ce qui n'excuse rien. Qui me paraissait plus cohérent avec ce que j'en avais perçu. Et ce que ça a fait sur la longueur, c'est que finalement, je suis toujours aussi fan de Buffy, j'aime tout le temps autant l'univers de Buffy et d'Angel et de Whedon. J'ai regardé The Never, j'adore The Never, j'ai envie que Whedon continue à écrire The Never, ça me fait du bien. Mais voilà, je vois moins en l'homme, en Joss Whedon, quelqu'un que j'idéalisais. Je vois un homme plus complexe, je vois quelqu'un de plus humain. Je suis fan de son œuvre et de son art et de son talent, mais je suis moins fan de l'homme. L'homme que j'idéalisais est un peu descendu de son piédestal, ce qui ne veut pas dire que j'ai toujours des affinités avec lui, mais je le vois différemment, et ce qui m'a permis en plus quelque part de même moi, en tant qu'auteur de BD et de films, de même moi l'impression de me dire finalement, les imperfections, on n'a pas à être aussi parfait, et que même quelqu'un que j'idéalisais ne l'est pas, et voilà, et c'est quelque chose qui, voilà, et donc je me suis apaisé avec ça, pas mal, je suis plus serein. Après, comme je disais une fois hier, je disais, bah les fans, c'est terrible parce qu'on était beaucoup stigmatisés à l'adolescence, ah Buffy c'est une série pour ado kitsch, un peu bizarre. Et là, on se retrouve un peu de nouveau dans cette situation dès qu'on dit qu'on est fan de Whedon aujourd'hui. On se retrouve après avoir été enfin validé par Télérama et des choses similaires. Ah, les fans de Buffy, ça, ah, finalement, on comprend pourquoi c'est fan de Buffy. Finalement, Whedon, c'est un génie. Et bah, ça aura duré 2-3 ans de répit et finalement, bah, j'ai un peu dépassé. Mais voilà, finalement, on se retrouve un petit peu de nouveau dans cette situation-là. C'est pas très agréable. Mais voilà, je continue à aimer Buffy et je suis vigilant quant à ce qui se passe autour de Whedon. Merci David. Maintenant, c'est à ton tour de nous dire comment t'as vécu effectivement cette période. Et bien écoute, je lance le timer pour tes 5 minutes. Alors, moi, c'est arrivé à un moment très particulier parce que pour des raisons professionnelles, au moment pile où c'est arrivé, je ne pouvais pas en parler publiquement. Ce qui s'est avéré être une excellente chose parce que ça m'a permis de prendre le temps. La première réaction que j'ai eue, c'est... Ça m'a fait me sentir très 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 mal. Et en réalité, en fait, j'ai vu le post de Charisma Carpenter genre 3 minutes après qu'elle l'ait posté. J'étais sur Instagram et boum, j'ai vu le truc. Donc, j'ai vu vraiment le truc se développer. Et ensuite, j'ai eu le moment, bien sûr, où ça arrive. Ah, t'as vu le truc avec Whedon, où les gens, surtout les gens qui sont pas très fans, qui sont obligés d'en parler alors qu'ils se sont jamais intéressés à la série. Bon. Mais du coup, pour mes raisons professionnelles, j'ai dit, en fait, là, pour l'instant, pendant 2 semaines, je vais pas en parler. Du coup, j'ai eu le temps de déconstruire ce malaise. Et en réalité, alors bien entendu, hein, on est des gens vigilants, c'est des choses que... L'abus de pouvoir, l'abus de faiblesse sont des choses importantes. Les personnes qui ne sont pas des hommes hétérosexuels cis blancs, qui du coup ont moins de pouvoir parce que la société a été construite comme ça il y a longtemps, automatiquement, on s'inquiète toujours que leur voix ne soit pas entendue, que leur expérience ne soit pas reconnue. Donc la première, la première réaction, c'est ok, je prends en compte l'expérience de cette personne, je l'entends. Alors, donc j'avais un malaise physique, mais que j'arrivais pas exactement à savoir. Bien sûr, du coup, dans ma tête, je commence à imaginer, mais est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ma première truc, c'est ce que dit Charisma Carpenter ne me surprend pas, c'est ce que j'ai toujours pensé. J'ai l'impression que j'ai déjà dit dans des vidéos, mais vu qu'on a moins parlé, pour l'instant, on n'a pas vraiment parlé d'Angel, mais je l'ai dit dans des podcasts où j'étais invitée pour parler d'Angel, j'ai toujours considéré la plus grosse boulette de la carrière de Joss Whedon, c'est le traitement du personnage de Cordelia dans la saison 4, puis la saison 5 d'Angel. Même si j'aime bien l'épisode de la saison 5 où elle est, la façon dont son personnage se termine dans cette série, j'ai toujours pensé que c'était un problème, et spécifiquement parce que plus tard il a dit oui, mais le personnage de Cordelia il est terminé, je me dis ok, là il est complètement dans le déni, il y a un truc. Voilà. Donc j'ai toujours pensé qu'il avait fait une connerie à ce moment-là, et qu'aussi une de ses conneries, c'est qu'il n'était pas trop sur Angel pendant la saison 4, et du coup il a un peu laissé le truc mal terminé sans vraiment faire ce qu'il aurait dû faire. Voilà, ça c'était mon opinion avant. Mais donc du coup, au début ça ne me surprend pas, puis commence à réfléchir, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire, mais peut-être que mon image de Whedon est complètement faussée, blablabla. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que la chose qui me rendait mal à l'aise, et c'était quelque chose que je reconnaissais, c'était que la forme du discours, le fait de poster des textes sur des réseaux sociaux, de ne pas entendre la voix de quelqu'un. Alors, je tiens à préciser que je comprends que quand tu veux raconter un truc douloureux, tu essaies d'utiliser une forme où tu es moins
fragile, et donc ça paraît logique de le faire de cette forme-là. Cependant, en termes de réception, et en fait c'est un problème que j'ai en général, je me dis je vais écrire un livre sur 2020 qui s'appelle « Ce texto ne devrait pas être un texto ». En général, nous avons tous tendance à passer par le texte, alors que passer par la voix, passer par l'image peut être extrêmement important quand on parle de choses complexes et de choses émotionnelles. Donc je me suis rendu compte que le malaise, c'était que j'avais tous ces textes auxquels je mettais un ton, et que je ne savais pas exactement comment les ordonner, que ce soit tous les autres tweets, tous les autres trucs, et que du coup ça crée une confusion et un malaise général qui était une autre phrase que je dis beaucoup, qui est « la malveillance c'est le vague ». La malveillance c'est le vague. Quand quelque chose est vague, quoi que ce soit, ça crée du malaise, ça crée de la confusion, et ça nous fait complètement commencer à partir en vrille. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on pense est faux, mais du coup il y a cette espèce de, voilà, cette incertitude, l'incertitude fait partie de la vie, mais quand l'incertitude est basée sur quelqu'un qui est vague, c'est vraiment problématique. Je regarde l'heure. Donc voilà, ça c'était le truc. Ah, en fait, mon malaise, c'est ça. Et ensuite, j'ai réalisé, surtout avec Patrick Hartenberg, j'ai dit, et en plus, ces posts sont triggering. C'est-à-dire, un trigger, c'est un déclencheur. Quand c'est triggering, c'est par rapport à un trauma. Notre trauma est lancé. Et en fait, au-delà de tout le bénéfice de MeToo que je pense, parce que MeToo au départ, c'est un truc d'empathie où je partage mon expérience pour faire comprendre, pour humaniser le sort de toutes celles et ceux dont on n'a pas entendu l'histoire, on est quand même tous en trauma de MeToo. C'est très bien que MeToo se produise et continue à se produire, mais on est tous traumatisés quand même parce que ça a été très violent et ça continue à l'être. Donc du coup, on a des triggers, donc on voit certains mots. Et vous le savez, vous voyez un post avec le réalisateur et vous commencez à dire « Oh, qu'est-ce qu'il a fait ?» Donc ça, c'est du trauma. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la responsabilité de Charisma Carpenter ou de Michel Trachtenberg, ça l'est un peu, mais ça l'est la nôtre aussi. Qu'est-ce qu'on lit? Comment on prend ce qu'on lit? Comment truc? Mais ce que je veux dire, c'est ce que j'ai réalisé, que ce malaise, c'était le vague, c'était le trigger du stress. Et la troisième chose, et ça, j'en reviens sur le truc, MeToo, c'est génial parce que c'est une expression de vulnérabilité. C'est je raconte mon histoire, mon expérience, ma perspective. Et je pense que l'expérience et la perspective de tout le monde doit être entendue et a besoin d'être exprimée pour eux. Cependant, la différence, c'est entre j'exprime mon expérience et je passe un jugement sur quelqu'un d'autre. Et je décide que cette personne est un monstre, je décide que cette personne est un abuseur, je décide que... Et ça, en fait, le truc, c'est que je tiens à le préciser, ça me dérange en général. Ça me dérange par rapport à des artistes que je trouve réellement complètement toxiques, je vois plus l'heure, c'est fini. Oui, ça me dérange en général pour des artistes que je trouve hyper toxiques, là, 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 et que du coup, c'est pas juste parce que je suis fan de Joss Whedon, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise en général. J'ai même pas commencé à dire le quart de ce que je voulais dire. Du coup, je vais juste finir par dire, mon rapport à Joss Whedon n'a absolument pas changé. Ça fait un peu direct et violent comme transition, mais c'est la vérité. Mon rapport à Joss Whedon n'a pas changé. J'ai pas regardé l'heure. Merci beaucoup pour tout ça, effectivement. Non, mais je pense que. il y a une transition un peu violente. J'ai donné plein de contextes et après je fais. Conclusion. mais je pense que t'as raison sur le fait que c'est plus facile de diaboliser et de rendre l'autre monstrueux parce que ça nous rassure soi et que ça évite d'être dans l'empathie. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup d'empathie pour Charisma Carpenter. Je disais que Whedon, je le comprenais aussi et que heureusement qu'il a pas fait de. Qu'il n'a pas touché Michel Trachtenberg, mais j'ai aussi de l'empathie pour Michel Trachtenberg. Je sais qu'elle j'étais en colère contre elle, mais vis-à-vis de sa responsabilité vis-à-vis des fans, mais j'ai beaucoup d'empathie pour elle, pour Charisma Carpenter et pour tous les gens qui ont exprimé le fait que moi ça me rend triste de me dire que ma série préférée qui me fait du bien a peut-être fait du mal à quelques personnes, même si c'est ponctuel, même si c'est des choses comme ça, mais ça me touche. Et quelque chose que j'ai oublié de dire et que je suis désolée, hein, je sais j'avais que 5 minutes, mais moi ce que j'ai besoin aussi dans cette conversation qu'on arrête d'oublier, c'est les 250 personnes, et je pense que c'est vraiment le chiffre, qui ont eu une expérience extrêmement positive ces 25 dernières années avec Joss Whedon, qui doivent leur carrière à Joss Whedon, et pas dans le sens il les a aidés, mais il les a soutenus émotionnellement, il leur a laissé écrire des choses qu'ils avaient besoin d'écrire, il leur a donné des chances qu'ils n'avaient pas eues, il leur a écrit des textes, Charisma Carpenter en fait partie d'ailleurs, et que du coup, on peut complètement valider cette expérience terrible qu'ils ont eue, que ces personnes ont eu avec Joss Whedon, mais on ne peut pas du coup ignorer tout le reste. Et il y en a un certain nombre d'exemples, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, je pense que la vraie leçon quand quelqu'un est dans l'abus, c'est qu'est-ce qu'il fait après, c'est la leçon de la fin de l'épisode 21 de la saison 2, hein.
qu'est-ce qu'on fait après. Et moi, ce que je vois dans la carrière de Joss Whedon, c'est justement le refus d'être dans des situations de pouvoir où il pouvait avoir beaucoup de gens sous sa coupe, et que quand il l'a fait, c'était avec Marvel, où toutes les personnes sur le plateau étaient plus puissantes que lui. Ce que nous a appris, ce que nous apprend Whedon dans ses séries, et je pense qu'il y a aussi une intuition, hein, mais c'est que Whedon croit en la rédemption. Angel et Spike ont fait des atrocités, même Buffy parfois a des caractères assez compliqués. Et même Giles, on l'apprend dans la saison 2. Et la série, c'est une série sur la rédemption. Donc moi, ce que quelque part, c'est dingue. Ce que j'aimerais bien maintenant, quand le temps sera passé, parce que je comprends que Whedon ait besoin de laisser passer ça et d'évacuer, d'absorber, de laisser les choses un peu stasser, de laisser les gens traumatisés s'exprimer aussi, d'exprimer leur trauma, c'est que, qu'à un moment donné, Whedon aussi quand même s'exprime, dise quelque chose, et qu'il assume ce qu'il a fait, mais dans un geste de rédemption, dans un geste de... Parce qu'effectivement, ce que Charisma Carpenter, tu parlais des déclencheurs, des triggers, et c'est très juste, que pourquoi Charisma Carpenter, ça l'a fait maintenant et pas avant, c'est qu'effectivement, elle l'expliquait chez Michael Rosenbaum, elle s'est dit qu'à l'époque, on en parlait plus tôt avant de lancer le tournage de Buffy Slay 20, c'est qu'elle a vu passer les messages sur internet de Ray Fisher, de Justice League, Cyborg de Justice League, et ça lui a rappelé ce qui lui était arrivé, ça lui a rappelé son trauma, mais aussi elle s'était dit que probablement le comportement de Whedon était ponctuel, un moment de on va dire d'énervement ou de colère ou d'hystérie et de crise exactement au moment du succès de Buffy Angel dans cette période-là particulière avec Firefly qui lançait en plus etc, mais qu'en plus il s'était excusé, il a envoyé des fleurs pour la faire revenir dans la saison 5 et qu'il y avait finalement chose qui était apaisée, et que le fait de voir que apparemment son comportement reprenait sur le Justice League, elle s'était dit que c'était un comportement récurrent et pas ponctuel qui là la dérangeait et qui fait que là elle voulait donc s'exprimer sur la question, ce qui est tout à fait fair, sauf que il y avait 20 autres réaction au même moment, y compris dans les gens qui ont bossé pour Zoneverse, qui disent le contraire. Donc je ne dis pas que Ray Fisher n'a pas eu une expérience mauvaise, je veux bien croire que Joss Whedon, le contrat de Justice League était horrible et qu'il était horrible dessus, possible, enfin, je remets pas ça en cause, mais une fois de plus, d'aller que à la source qui a la pire version de l'histoire, c'est problématique à plein d'égards. Et ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être face à sa responsabilité. En fait, c'est ça la vraie truc. L'idée, c'est, faut arrêter de parler de Whedon comme un cas à part. Whedon s'inscrit dans une culture générale qui n'est pas acceptable ou positive, mais qui en 2003 existait telle qu'elle était, et que la vraie réalité, c'est que quel que soit le comportement qu'a eu Whedon, il aurait dû y avoir la possibilité pour Charisma Carpenter de sentir de parler à quelqu'un, de faire quelque chose. Et souvent, c'est le problème des agents. Ce que Fisher veut d'ailleurs. Oui, souvent le problème des agents qui disent non, t'exprimes pas pour ta carrière, c'est pas si, que ça crée en plus une frustration. Les Américains sont très procéduriers, donc les questions d'avocats, les machins, ce qui fait qu'au lieu de pouvoir parler du trauma, d'échanger à l'amiable, bah, il y a une pression supplémentaire de carrière, de Whedon, il vient de faire Avengers chez Disney, donc t'as peut-être pas, peut-être qu'elle veut s'exprimer avant ou pas, enfin, il y a beaucoup de choses. Et c'est ce que Fisher voulait faire, hein. Fisher, il a dit, j'accuse Whedon pour que Warner change, mais du coup, t'as un peu l'impression que du coup, enfin voilà. Alors, j'avoue que ces coulisses de Justice League sont fascinantes, peut-être qu'un jour ils feront un film, mais Whedon, pour moi, en fait, je pense que Whedon a un vrai rôle, qu'il a vraiment probablement été une pourriture sur le tournage de Justice League, mais je pense aussi qu'il nous manque beaucoup de contexte. Il nous manque, je pense que déjà après Avengers 2, il était très déçu de ne pas avoir pu faire le film qu'il voulait, son parrain 2, et qu'il était un peu tendu. Qu'en arrivant sur Justice League, c'est quand même suite au suicide de la fille de Zack Snyder, que Zack Snyder en plus a été quand même si c'était ça la version officielle, semi-virée, parce que Warner était comme ça après la sortie de Deadpool qui a marché, qui était un film fun de chez Fox, et l'échec de Batman vs Superman qui avait été charcuté d'une demi-heure donc il ne fonctionnait plus. Ils se sont dit, oulala, on a un film hyper lourd de 4 heures qui vient de sortir, par exemple, vous avez probablement vu, et d'en faire un film de 2h30. Ils ont dit à Whedon, t'en fais un film de 2h, je me rappelle très bien. 2h, pas une minute de plus, je me rappelle le chairman, la tête de Warner Bros. Lui dire ça dans une interview. Il faut que ce soit la conclusion de toute la trilogie Superman, commencée par Man of Steel. Tu conclus, t'intègres tous les personnages en même temps, pas plus de 2h, et t'as pas de budget parce qu'il faut qu'on retourne au moins les 2/3 du film, mais sans budget. Donc à un moment donné, n'importe qui pèterait un câble. Alors qu'il ait pété un câble sur les acteurs, pour moi, ça ne justifie vraiment pas le cas. Mais je pense qu'à un moment donné, encore une fois, on monte de contexte, c'est-à-dire un Weinstein qui est un prédateur avec beaucoup, 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 beaucoup de monde, et même qu'une seule personne, peu importe, et qui en plus dans ses films a pourri des productions entières, a réécrit des choses. A détruit la carrière de plusieurs personnes parce qu'il a fait croire à d'autres qu'elles étaient difficiles parce qu'elles n'avaient pas voulu coucher avec lui. C'est pas la même chose. On n'est pas sur la même chose, mais même au-delà de ça, tous les trucs, c'est que notre compréhension des relations humaines évolue tout le temps. Voilà, je pense qu'on est. Ça fait pas très longtemps que l'intelligence émotionnelle en science, ça existe depuis 1990. Ça fait pas longtemps qu'on a conscience qu'en fait,
quand on fait du mal à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a voulu faire du mal à quelqu'un. Et ça, c'est un truc qu'on a encore beaucoup de mal à avaler. Et l'idée, et le truc, c'est qu'on est, effectivement, tu parles d'idéaliser. Moi, je n'idéalise pas Whedon, je n'idéalisais jamais Whedon. Je l'aime d'amour, mais je ne l'idéalise pas. Du coup, pour moi, ce n'est pas seulement qu'il n'a pas changé, c'est que j'ai l'impression de le connaître encore mieux et de le comprendre encore mieux. Et j'ai l'impression que la phrase d'Avengers de Hulk, je suis, I am angry all the time, prend un sens tellement plus large. Je suis en colère tout le temps. Et ouais. Je suis encore plus heureuse qu'il ait créé tous ces personnages qui nous aident à réfléchir oui, à ces questions sur l'autorité, sur la difficulté d'être un leader, sur la difficulté d'abuser de son autorité. Et que oui, l'idée, c'est pas d'être. Enfin, moi, ça me fait de la peine comment on le traite. Mais en réalité, le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'apprendre de ça pour nous être plus juste dans la vie. C'est pas pour rien que c'est lui qui a mieux traité Hulk dans toute la saga Marvel pour le moment. C'est qu'effectivement, la colère contenue qui explose et qu'il faut réserver. Et puis la masculinité toxique, clairement, lui, il est vraiment mal à l'aise avec sa propre masculinité toxique, qui, à mon avis, il déconstruit de plus en plus, et The Nevers le prouve, et c'est pour ça que j'aurais voulu qu'il fasse encore 5 films derrière, ou 5 séries, parce que c'est encore plus passionnant que jamais ce qu'il a à dire. Ça, et pour conclure là-dessus, moi je dirais juste effectivement que c'est des questions où il ne faut pas être manichéen, il n'y a pas d'horribles monstres et de gentilles victimes, il y a des victimes qui ont souffert et qu'il faut prendre en compte, mais si on veut que les choses évoluent, effectivement, mettre les monstres en prison, c'est une chose, mais justement, ce n'est pas forcément des monstres, il y a peut-être d'autres choses à déconstruire. On dit souvent, c'est en thérapie, ce qui ne veut rien dire, mais que souvent, les gens eux-mêmes qui ont été victimes d'abus cultivent l'abus, parce que, etc. Donc, en fait, allons tous voir un psy. Allons voir un psy. Enfin, nous, je ne sais pas comment on peut dire officiellement. Enfin, moi, j'y vais. Il y a les démarches je vais retourner. Mais surtout, ne refusons l'humanité à personne. Exactement. Bah écoutez, merci à tous, je pense que vous avez peut-être plein de choses à dire sur ce sujet, donc commentez, on est prêt à échanger avec vous, peut-être que si même vous avez des questions, on pourra peut-être faire une autre vidéo dans 6 mois débrief, n'hésitez pas, toutes les déclarations autour de Whedon et avec de Charisma. Merci encore d'être avec nous, c'était notre 34e, 35e, je sais 34e. Plus, 34e épisode de Buffy Slays 20, bah écoutez, et je vous une dis question. À très vite, effectivement c'était une question, une réponse, 5 minutes. Ça, c'est ça.